sur les magazines. Parce que je suis plus certaine qu'il y a des réponses justes. Après, je regarde souvent sur les réseaux sociaux aussi, mais je préfère le journal quand même. Moi, je préfère la télé et les réseaux sociaux, moi, c'est les deux. Avec mes amis, ma famille et puis personne d'autre, c'est tout. Ça dépend souvent, c'est avec mes parents, mais je préfère avec mes amis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Après, on peut pas être d'accord sur les mêmes choses et après, ça peut poser des problèmes. Donc, moi, je préfère avec les amis. Ça dépend ce qu'on dit. Si on dit des choses mauvaises sur quelqu'un, pour être libre, pour dire ce qu'on veut, quand on veut. Pour moi, ça peut être dangereux parce qu'on quand on dit quelque chose, on peut dire des choses méchantes, donc on ne se rend pas tout à fait compte et ça peut contrarier les personnes. Si mes parents ils le savent, je leur demande parce que je suis jamais trop confiante avec les infos, moi. Ou alors, pour être sûre, je regarde dans le journal. Si je la trouve sur la télé, je change de chaîne, voir si plusieurs médias disent la même chose. Ou sur Internet, je cherche plusieurs opinions. Mon Sonu, je vais sur le JSL aussi. Ouais, pareil. Et sur Odile TV. Pareil, je vais surtout beaucoup beaucoup sur MonSoNews et sur le GSL parce que si par exemple on consulte pas je dis un exemple, il peut y avoir la Troisième Guerre mondiale dehors, on sera pas informé. J'utilise à peu près tous les médias traditionnels. J'utilise la télé, mais pas trop les journaux, c'est tout. Il n'y a que les journaux que j'utilise plus. De la vie en général de ce qui se passe dans le monde, de la météo, si je sais pas, s'il y a des enfants portés disparus, des choses comme ça. Internet, actualité, réseaux sociaux, voilà. Oh.